Bonjour, comme c'est toujours moi, je ne vais pas rappeler encore mon nom. Cette fois, je vais montrer une autre vidéo, mais préparez-vous, ça va être un peu du cinéma. Bon, ça va commencer, je vais dire quelque chose de moi maintenant. J'aimerais savoir une chose. Jusqu'où peux-tu voir avec ton Sharingan? Jusqu'où, d'après toi? Ce que voient mes yeux pour le moment, Itachi, c'est la façon dont tu vas finir. Donc, on va voir un combat entre petit frère et grand frère. Ma mort, très intéressant. Alors, dans ce cas, fais-en donc une réalité. C'est très difficile à voir. Je crois que tout. Donc, je sais très bien que Sasuke va tuer son grand frère alors, à la fin du combat. Tu es devenu vraiment très fort. C'est le même discours et les mêmes corbeaux que la dernière fois. Cette illusion te plaît tant que ça, c'est pathétique. Demande-moi ce que tu veux savoir. Ce ne sera certainement pas la dernière fois, mais je t'écoute. Que les choses soient claires. Tiens-tu tant que ça à connaître son identité? Parce que j'ai l'intention de l'éliminer après toi. Voilà pourquoi. L'éliminer. Le jour où tu as exterminé tout notre clan, tu as mentionné quelqu'un d'autre, un Uchiwa que tu as laissé en vie. Ce qui veut dire que vous étiez associés. S'il a trompé là-dedans, je compte bien le lui faire payer également. Même toi, tu n'aurais pas pu supprimer la totalité des forces de l'ordre à toi seul. Excellent sens de la déduction. Caché de Konoha. Le premier s'est réveillé au kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Tu es devenu vraiment plus fort. C'est le même.
abduction. Qui est-ce? Il s'agit de Madara Uchiwa. La force de ses pupilles et ce chakra encore plus terrifiant que le mien, c'est étrange. Tu me rappelles le Madara Uchiwa d'autrefois. Je ne l'ai jamais connu. Et je me contrefiche de ce type. Ah, Madara Uchiwa. L'un des fondateurs du village caché de Konoha. Le premier à s'être réveillé au kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Un fondateur? Si c'était le cas, il serait mort depuis longtemps déjà. Tu as l'audace de te moquer de moi? Pas du tout, Madara est bien vivant. Je ne dis que la stricte vérité, mais libre à toi de ne pas me croire. Ne raconte pas n'importe quoi! Les êtres humains vivent tous, basant leur croyance sur ce qu'ils comprennent du monde, captifs de cette connaissance. Puis ensuite, ils nomment cette perception réalité. Pourtant, le savoir et la compréhension sont des concepts subjectifs. Cette réalité pourrait se révéler n'être qu'une illusion. L'être humain vit au milieu de ses croyances. Tu n'es pas d'accord avec moi? Où est-ce que tu veux en venir avec tout ça? Ce sont tes croyances qui t'amènent à penser que Madara est mort. Ta propre perception de la réalité. Tout comme elles t'ont bercé de douces illusions dans ta jeunesse, te faisant croire que j'étais un grand frère aimant. Si tout ce temps j'ai joué au grand frère idéal, c'est pour une seule raison. Je voulais m'assurer de ta valeur en tant que ninja. Sers-toi de tes pupilles tant que tu voudras. Ça m'est complètement égal. Ma haine transformera l'illusion en réalité. Quant à toi, la seule réalité qui t'attend, c'est la mort. C'est mortel. Ils étaient petits, mais il faut peut-être un peu improviser. Il a eu le temps de composer les signes du clonage pendant notre duel.
Donc, je présume que si vous avez vu ce combat en anglais ou en japonais, je crois que peut-être que ceci, vous pouvez le comprendre. De quoi il va dire. Ok, t'as fait prendre les poupilles, je sais, de Sasuke. Mais, va pire. Hé, n'y pense même pas. Il va pas se laisser faire. Parce que si. Voilà ma réalité. La lumière est à moi. Ça y est, Itachi l'a pris. Je t'avais pourtant prévenu. Tu ne possèdes pas le cahier de ce que hypnotique. Tu n'as donc aucune chance de gagner contre moi. Rends-toi à l'évidence, voyons. Autour de l'autre maintenant.
Peut-être ou pas. Ça a été rapide. Itachi a gagné. Tu en es sûr? Il vient de subir les arcanes lunaires. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il puisse bouger après ça. Itachi va pouvoir en faire ce qu'il veut. Peut-être. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aimez et j'espère que ça a plu et abonnez-vous. En fait, c'est du mal pour la petite vidéo, donc j'ai pu improviser, mais c'est pour vous regarder ce combat-là, même si c'est en anglais ou en japonais. Merci.